Salut, aujourd'hui on va parler enceinte connectée avec la Alexa de chez Amazon face à la Google Home de chez Google, avec laquelle j'ai d'ailleurs dépassé les 60 000 vues en deux vidéos où je te montrais comment contrôler Netflix, les prises électriques connectées et les ampoules Yeelight de chez Xiaomi. Et je vous remercie énormément pour ça et j'espère que vous êtes abonné à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Aujourd'hui on va approfondir sur Alexa. Alexa en France, on l'a attendu quand même un très bon moment avant qu'elle sorte. Elle existe en trois modèles. Ici on est sur le modèle intermédiaire qui vaut une centaine d'euros. Il existe un modèle plus petit qui coûte une cinquantaine d'euros et il existe également un modèle avec un écran, un petit écran tactile assez sympathique qui s'appelle la Amazon Echo Spot et qui coûte, elle, je crois, aux alentours de 130 euros. Donc ici, ce modèle intermédiaire, vous voyez qu'en taille, niveau design, bon, les goûts et les couleurs, évidemment, enfin moi en tout cas, je préfère la Alexa noire comme ça, avec son espèce de petit revêtement qui fait penser un petit peu à un canapé en toile qui est bien plus sympa. On a des vrais boutons sur Alexa, un bouton moins, un bouton plus pour le volume, un bouton pour couper le micro, un bouton pour valider, pour lui dire tais-toi quand elle fait des bêtises, là où sur Google Home, c'est entièrement tactile pour monter le volume et on n'a pas d'autres prises. Notez que sur Alexa, on a une sortie auxiliaire si vous voulez mettre des enceintes un petit peu plus qualitatives. Alors, ce sera avec une sortie jack, mais on a quand même possibilité de le faire, sachant que ce n'était pas possible avec une Google Home. Ensuite, qu'est-ce que j'en pense de cette enceinte Alexa ? On a un gros problème avec cette enceinte. C'est la petite guéguerre que se livrent Google et Amazon. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé voir sur Amazon récemment, mais si vous cherchez un produit de chez Google sur Amazon, vous allez avoir du mal à trouver, notamment concernant les Chromecast. Les Chromecast, ce sont ces petits récepteurs sans fil que l'on met sur la télé pour envoyer de l'image. Eh bien, ils ne sont carrément plus vendus parce que Amazon et Google se livrent une véritable guerre là-dessus. Ce qui fait que si vous êtes équipé en domotique, en tout cas niveau images de produits Google, et bien clairement les démonstrations que je vous faisais l'autre fois avec Netflix, et bien elles ne marcheront tout simplement pas. De même, si vous voulez envoyer YouTube à votre, je sais pas, à votre projecteur, moi ce que j'ai dans le salon avec un Google Chromecast, et bien vous ne pourrez pas le faire. Si votre agenda est sur Google Agenda, et bien vous ne pourrez pas le faire. Encore une fois, si votre seul et unique but, c'est de lancer une playlist à la voix sur Spotify, sur Deezer, vous n'aurez aucun problème avec l'une comme avec l'autre. Je trouve personnellement que le son est meilleur sur Alexa. Je trouve d'ailleurs que sa voix également est beaucoup plus sympathique sur Alexa, où moi, Google Home, je la mettais carrément en canadien pour avoir une voix que je trouvais plus chaleureuse que la version française. Je regrette qu'on n'ait pas différentes voix, que l'on puisse même ne pas jongler entre un homme ou une femme, pourquoi pas, mais avoir vraiment différentes voix, ça serait vraiment un truc cool. On peut bien entendu allumer des prises électriques. Alors j'ai exactement le même modèle que celle que je vous avais mis dans la vidéo de Google Home. Donc celle-ci, ça coûte une quinzaine d'euros par prise électrique. Je vous rappelle la petite technique, c'est que si vous avez une télévision, vous ne l'éteignez pas avec la télécommande. C'est valable pour les amplis, c'est valable pour la box télé internet. Vous mettez tout ça sur cette prise électrique, vous scratchez la prise électrique et ainsi vos appareils ne resteront pas en veille. Et ça, ça marche plutôt bien. À que ça ne marche pas avec mon projecteur. Par contre, le projecteur, je suis obligé de le rallumer avec la télécommande. Et donc, ça donne ceci. Alexa, éteins la prise du salon. D'accord. Et donc là, le voyant, c'est bien éteint. Alexa, allume la prise du salon. Alexa, allume la prise du salon. D'accord. Voilà, là il l'a bien rallumé. Il aura fallu quand même deux fois. Ok Google, éteins la prise du salon. Très bien, j'arrête l'appareil, prise du salon. Ok Google, allume la prise du salon. Très bien, j'allume l'appareil, prise du salon. Voilà, vous voyez que vous pouvez très bien avoir en tout cas les deux marques d'enceintes qui cohabitent sur le même réseau Wi-Fi. Cela ne pose aucun problème pour ces petits appareils domotiques. Encore une fois, si vous n'avez aucun récepteur domotique chez vous, ces enceintes se limiteront effectivement à la musique. Honnêtement, acheter une petite enceinte Bluetooth à une cinquantaine d'euros ou plus si vraiment vous voulez de la marque. Mais ça vaut pour moi vraiment pas le coup. On peut bien évidemment contrôler les lumières, par exemple les petites lumières qui sont derrière cet écran, qui sont une bande de LED de chez Xiaomi d'ailleurs il faut dire Yeelight. Alexa, éteins Studio LED.
D'accord. Voilà, vous voyez que les lumières se sont éteintes. Vous noterez que vous avez un très joli bandeau bleu, ça me plaît beaucoup, sur le dessus d'Alexa, donc qui réagit quand vous prononcez son prénom, qui a été spécialement étudié pour l'occasion, et c'est vrai que ça marche plutôt bien, sauf quand vous mettez la musique avec un volume très fort, où là, je trouve qu'elle a beaucoup de mal à entendre votre voix. Il m'est arrivé plus d'une fois de mettre la musique, de lui dire plus fort, plus fort, plus fort, et ensuite de vouloir le baisser plus tard dans la soirée, et là, elle ne comprenait absolument plus ma voix. Donc ça, c'était un petit peu dommage. Le nerf de la guerre, que ce soit Google Home, que ce soit Amazon Alexa, et je suppose c'est les Apple HomePod, ça va être la même chose, ça va être de prononcer la phrase avec les verbes et avec les mots qui ont été prévus par la marque. C'est-à-dire que quelque chose qui va marcher une fois, ça ne va pas forcément marcher une deuxième ou une troisième fois parce que vous allez utiliser un synonyme, vous n'allez pas mettre les mots exactement dans le même ordre, et à ce moment-là, vous allez dire « mais je comprends pas, ça marchait hier et ça marche pas aujourd'hui ». Et ça, c'est super désagréable, c'est qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas et vous avez l'impression que ça a déjà fonctionné un jour. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que d'origine, Alexa, elle sait grosso modo quasiment rien faire. Elle gère la domotique et elle gère la musique, ça d'accord. Mais ensuite, tout se passe sur quelque chose qui s'appelle les skills. Donc les skills, vous lancez l'application Alexa sur votre téléphone mobile. Vous allez ici dans le menu de gauche, un menu skill. Et là, je ne sais pas si vous connaissez cette joie du « tiens, je vais installer une nouvelle application dans mon smartphone » et au final, vous en trouve avec 50, 45 qui servent à rien, 4 dont vous avez oublié le nom dès le lendemain et peut-être une où enfin vous avez fait la bonne trouvaille. Et bien là, c'est un petit peu ça, mes versions enceintes connectées. Donc vous en avez des tonnes et des tonnes. Je ne saurais pas vous conseiller, moi j'en ai essayé plein. La plupart, ils sont rigolos mais sans plus. Alors ça marche, puisque heureusement d'ailleurs, puisque j'ai la plupart du temps un skill est cantonné à une et une seule fonction. Vous allez pouvoir, je sais pas, commander votre ticket de train, commander un produit bien spécifique. Vous pouvez lancé Akinator, voilà, c'est un vieux truc qui était à la mode il y a une dizaine d'années. Je n'ai pas trouvé de super skill super sympa qui change ma vie quotidienne tous les jours. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé des skills qui sont vraiment super bien, je serais curieux d'en utiliser. Mais clairement, actuellement, il n'y a pas le skill qui m'a fait faire waouh, c'est la killer features que j'adore sur Alexa et qui va m'empêcher de revenir à Google Home, qui va manager mon YouTube, qui va manager mon Google Agenda, qui pour moi sont des fonctions bien plus nécessaire pour moi par rapport à ce que m'amène Alexa. Bien que je préfère le son au niveau de la musique et bien que je préfère le son au niveau de la voix, si je devais choisir entre les deux, j'irais vers cette Google Home. Alors le design me rebute clairement sur la Google Home, donc j'attends qu'il y ait des modèles qui vont sortir incessamment sous peu avec des écrans, parce que ça, je trouve ça super cool et je trouve que ça va être vraiment le super cadeau à faire aux Madame Michu sous le sapin. Quand je dis Madame Michu, c'est pas péjoratif, hein, je pense à ma mère que je mets carrément dans le lot, mais l'enceinte connectée sans écran, c'était déjà quelque chose que j'avais pensé pour elle. L'enceinte connectée avec le côté écran tactile que l'on n'éteint jamais, qui fait vraiment des choses simples et qui répond à la voix, même pour se servir de peut-être que 5 fonctionnalités, bonjour le matin, au revoir le soir qui éteint la lumière qui est à l'autre bout du salon avec l'interrupteur pas pratique, ou alors faire ce que Alexa appelle une routine. Donc moi par exemple Alexa, si je lui dis Alexa je vais me coucher, je lui ai retiré le câble pour pas qu'elle ne le fasse, elle va m'éteindre la prise et elle va m'éteindre toutes les lumières connectées, à savoir que j'en ai sur 2 plafonniers plus les bandeaux de LED qui sont ici derrière l'écran. Donc ça, c'est plutôt une fonction cool. Donc pareil, les routines, c'est assez facile à créer, ça c'est d'origine, ça ne se passe pas dans le menu skill et ça c'est une fonction plutôt sympathique. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous laisse décider qu'est-ce qui est pour vous le mieux entre la Google Home et Alexa. Est-ce que vous avez trouvé des fonctions qui marchent vraiment mieux sur l'une et mieux sur l'autre, qu'est-ce qui est pour vous indispensable, hormis bien évidemment les fonctions musicales. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter sur langue-de-geek.fr/newsletter pour avoir les vidéos avant les autres. Et moi, je vous dis à ciao, bye bye.